c'est le salon du camping-car du Bourget. Nous aussi, on fait notre salon à nous. Mais nous, on le fait chez notre concessionnaire. Voilà. Avec une nouveauté Challenger. Nouveauté 2022, alors là... Bien le bonjour les amis, nous revoilou dans les camping-cars, les visites de camping-cars. Hein. Oui, c'est le salon du camping-car du Bourget. Nous aussi on fait notre salon à nous, mais nous on le fait chez notre concessionnaire. Voilà. Avec une nouveauté Challenger. Nouveauté 2022, alors là... Une innovation chez Challenger avec leur... Le 240. 240. Ouais. 240, super. Alors là, on va vous montrer ça. Ah oui. Parce que c'est ça change. Ça change. Ils ont cassé les codes du camping-car là. C'est bien, c'est sympa. Et je trouve que chez Challenger, souvent ils innovent et je trouve que c'est assez. Sympa. Allez, on vous montre ça tout de suite. Hein. Allez. Ça va, t'es à l'aise là? Ouais, dis donc, c'est un grand salon, c'est cool. Hein. Ouais. Bon allez, alors porteur Ford, hein, porteur Ford 170 chevaux, boîte automatique. Comme vous savez, Challenger depuis quelques années est vachement sur les porteurs Ford. Voilà, ça c'est un choix. Il est possible de l'avoir en porteur Fiat aussi. Hein, après c'est sur commande, voilà quoi. Bon, qu'est-ce qu'on va dire? Alors il y a un espace là, impressionnant. Hein. Ah ouais, c'est impressionnant. Et ce n'est qu'un 7 mètres. Ouais, et c'est un 7 mètres. Exactement, 7 mètres. Mais il n'y a pas de chambre, c'est le pavillon. Voilà, c'est un lit pavillon. Voilà, ouais. Mais lit électrique et tout. Tu nous montres la table, là? Ah ouais, alors la table, elle m'a bluffé, la table. La table, en pétale. Alors, la table, voilà, c'est bien, c'est qu'elle tient point de place. Et en fait, voilà, une fois qu'elle est dépliée, c'est top. Une grande table, hein. Impeccable. Super. Ouais. Ah ouais, non, génial. Il y a une énorme banquette. Ouais, et encore. Énorme, la banquette. Une grande banquette avec des petits bancs. Voilà. Alors, je vais passer la caméra, moi je vais montrer quelque chose d'autre. Ouais. Allez, hop. Et faire vendre la télé. Elle est où la télé? Elle est où? Il n'y a pas de télé là-dedans. Il n'y a pas de télé. Bah ouais, mais la télé, elle est où? Elle est où la télé? Elle est là, la télé. Digne des grands liners. Super. Ouais. Voilà. Bon alors là c'est une fausse télé, hein. c'est un modèle d'expo, hein. C'est la télé Trigano. Alors c'est tout prééquipé naturellement, enfin, c'est top quoi. Top. Je regarde si des fois il n'y a pas une bouteille de Pinot qui traîne. Non pas encore, hein. Ça viendra. Il y a des petits placards partout. Ouais. Voilà. Alors on a été bluffé aussi par la qualité Challenger, ça a changé, hein. Ça a un petit peu changé quand même, c'est...
C'est bien mieux. Hein. C'est plus robuste. C'est plus robuste. Là, ils ont fait des réels efforts. Hein. Ouais. Félicitations. Hein. Là, on a des cubes qui s'enlèvent, qui se mettent pour. On peut les ranger dessous. Justement, là. C'est pour ça que c'est ce que je voulais faire voir. Ah ouais, alors vas-y, fais voir. Allez, c'est Fab qui va vous faire voir ça. Pour le lit. Hein. Pour le lit, on va se mettre. Je vais me mettre dans l'autre sens, là. Pour le lit et pour le. Pour la table. Pour la table. Alors là, on va commencer par la table. Il y a un petit bouton magique. Voilà, hein. Le petit bouton magique qui fait descendre la table. Alors ça peut faire table basse pour l'apéro, hein, si le salon. Voilà, là c'est bon. Et puis après, bah, tu peux descendre le lit. Alors on descend le lit. Lit pavillon. Deuxième bouton. Et il descend une allure phénoménale. Hein. Ah ouais, il descend vite le lit. Alors on va s'arrêter là. Hein. Ouais. Ouais, tu peux descendre encore. Hein. Ouais. Ah ouais, tu peux descendre. Hein. Ça passe, il n'y a pas besoin de remuer quoi que ce soit. Voilà, c'est bon. Il descend pratiquement en bas, juste ouais, en bas. Voilà. Donc c'est vrai qu'il n'est pas très haut, c'est pratique pour. Eh, là on dirait que t'es vachement loin. Ah, ouais. On dirait qu'on est à un camping-car qui fait 12 mètres. Non mais sans déconner, c'est un 7 mètres, c'est impressionnant. Allez, on remonte le lit. Ouais, remonte le lit. C'est impressionnant la sensation d'espace qu'il y a dans ce véhicule. C'est... Ouais, et vous n'avez pas vu le meilleur. Ouais. Donc quand la table est basse comme ça, on peut aussi faire un lit. Ouais, bah je pense qu'il y a de quoi faire un lit dinette. Hein. Voilà. Alors remonte ta table. Ne pas descendre, il y a un lit dinette. Parce que les morceaux là, ils se bougent. Ils sont aimantés. Ils sont aimantés. Donc vous pouvez les enlever. Les deux. Voilà. Voilà. Tac. Ouais. Ouais. C'est vraiment innovateur. C'est très très bien. Voilà, on passe à l'arrière. Alors l'arrière est encore plus bluffant. Alors on continue la visite de ce superbe véhicule. Alors là on a des casiers à verre, porte-bouteille. Là il y a le tableau de commande avec commande de chauffage. Donc ça doit être du chauffage gasoil. Hein, vu la commande là. Et les petites rails de LED là, sympa partout. Et là on a une penderie, une grande penderie. Ouais, voilà, la question. Pour ça il y a de la place. Hein, il y a de la place. Voilà, alors ensuite on a un frigo. Passe à la cuisine, Dométique. Frigo Dométique. Alors, frigo Dométique à compression. On n'est plus à gaz, hein. C'est fini là. On arrête tout, le gaz, ça c'est bien. Donc, frigo à compression. Impec. Alors là, j'aime bien, c'est ça, ça fait sympa, ça coupe. Ça fait style loft. Ouais. Hein, style ouais. Loft. Non, c'est vachement. Cool. Oui, il y a ça aussi, c'est intéressant aussi. Alors, donc, après, on a le petit coin cuisine. Ouais. Avec le petit lavabo et puis deux feux. Mais deux feux, c'est largement bien assez. Ouais. On voit sur le pull, sur nos trois feux, mais la plupart du temps, on n'utilise pas tout ça. Des super placards profonds. C'est tout noir, les tigeurs et tout ça. Ouais. Noir, c'est sympa. Ouais, ouais c'est sympa, ça change. Petite bande LED. Bon, bah là, il y a tous les placards que vous pouvez trouver. Ouais. Il y a de la place. Ouais. Vanne de gaz, poubelle. Ouais. Alors en face, partout. Vous avez la superbe salle de bain, qui est bien sûr que la douche et les toilettes sont tout dans le même endroit. Voilà, donc là on est en position douche. Position douche. Voilà, avec bon, ça fait quand même une immense douche. Hein. Ouais, elle est grande, ouais. Là il y a de la place. Hein, pour ce... ouais. Et puis alors, quand après, tu bascules de l'autre côté. Hop, on bascule, on décroche, le scratch. Et voilà. Et là, t'as un évier. Voilà votre salle de bain. Avec le petit lavabo, c'est sympa. Les toilettes. Toilette un petit placard pour mettre les produits. Lanterneau là-haut. Lanterneau. Et on voit vachement clair, les spots sont superbes. Ouais, c'est un peu style puits. Ouais. Voilà, éclairage puits. Alors, avec la porte. Porte coulissante, ça j'aime pas. Mais moi, c'est mon avis à moi. Hein. Ça me dérange pas. En plus, elle est blanche. Ouais. C'est cool. Bon. C'est cool. Alors là, plus on va là, plus c'est l'innovation. Ouais. Alors là, on rentre dans une pièce où y a une porte qui donne à l'extérieur. Voilà. Avec un marchepied. Donc vous pouvez sortir. En fait, c'est une soute débouchante. Voilà. Vous pouvez sortir derrière. Nickel. En fait, il y a deux portes. 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 Et là, on peut. Il y a la porte de la soute. Voilà. Ouais. D'ailleurs, on est dans la soute. Ouais. On peut mettre aussi des vélos là, ça pose pas de problème. Et il y a plein de rangements. Alors, ça et il y a aussi. Un autre rangement là. Ah ouais, rangement sympa. Alors on appuie là.
Voilà. C'est pas innovant, ça. Voilà. Alors, vous pouvez le laisser comme ça. Puis, quand vous n'en avez pas l'utilité, hop, vous le remontez et scroche comme ça. Et à noter que on peut séparer. Voilà. On peut fermer la soute. Si jamais vous en servez en soute, vous mettez des vélos ou quoi que ce soit, et ben voilà. Ou si mon mari... Qu'est-ce qu'elle va sortir comme connerie? Ah là, elle va vous en sortir. Il est trop chiant, qui gueule trop, il râle trop, et ben je l'enferme dans la soute. Sans rien à boire, sans rien à manger. Ouais. Bon, très bien ce petit challenger. Ah super. Ouais, super. Sans compter qu'il y a des prises. Il y a des prises de partout. Alors, prise de 120, prise 12 volts, de toute façon, un peu partout. Et puis les coloris sont superbes. Mais la sensation d'espace ici-là, regardez. Depuis la cuisine, là, c'est impressionnant. Impressionnant. On dirait pas un véhicule de 6,99 m. Hein. C'est impressionnant. Super. La banquette, là. Sans compter que là-bas, il y a aussi de la place. Ah oui, j'ai oublié de montrer. Hein. Là, sur la casquette, ils ont changé les casquettes. Donc les casquettes, elles sont énormes. Là, et vous avez de la place. Vous pouvez... Ouais. Et de la lumière. Skyroof. Ouais. Skyroof qui s'ouvre et tout. Ah ouais. Et il est très grand. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Le porteur Ford, avec la nouvelle tablette, là, les commandes au volant. Bon, ça, je ne vais pas vous détailler ça, hein, c'est le porteur Ford. Hein. Voilà, quoi. Non, vraiment, vraiment très innovant. Bon, allez, les amis, conclusion. Conclusion, joli camping-car, belle innovation. Ouais. Challenger, bravo. Et la qualité se sent que ça a augmenté. Ouais, ça a l'air d'être plus... Ouais, plus cossu. Plus, voilà, c'est ça. Ouais, plus cossu, ouais. On sent que le bois et tout ça, moustiquaire, tout. Ouais, hein, ouais, voilà. Moustiquaire. Mais... Alors, Geoffrey nous a dit qu'il était équipé d'origine, tout, hein, store, panneau solaire. Le store est noir, comme je vous ai montré à l'extérieur. Ouais. Store noir et tout ça. Ils sont équipés d'origine, tout, hein, panneau solaire et tout ce qui s'ensuit. Alors après, je ne sais pas si c'est prévu batterie lithium ou autre. Pour ça, c'est à voir, hein. À voir avec votre concessionnaire Challenger ou bien sûr chez Isaccar, ils feront un plaisir de vous renseigner là-dessus. Hein. J'aime bien aussi les éclairages. Ouais, les éclairages, sympa. Avec, c'est sympa, les petites LED. Avec petite prise USB au-dessus. Ouais. Regarde, même dans la casquette, là, regarde là. Ouais. Petite, là. Ouais. Ouais, ouais. Petits éclairages là. Non, c'est. Là, il y a une énorme baie. Une énorme baie là. Je veux dire, quand on est là-dedans, qu'on mange, ou alors, voilà, t'as... On a l'impression que c'est immense. Ah ouais, c'est immense. Là, ils ont et fait... Le fait que ce soit un lit pavillon et qu'il n'y ait pas une chambre... Ouais. Et là, la baie, il y en a une, la même, hein, de ce côté-là. Bon, conclusion, les amis, Ouais, il est super cool. Ouais. Super cool. Challenger, les rois de l'innovation, encore une fois. Je ne sais pas si cette implantation va fonctionner, mais je pense que ça va taper à l'œil des gens parce que c'est bien foutu. Enfin, nous, on a été conquis, aussi bien Claude que Geoffrey nous ont dit, rentrez dedans, vous allez voir, ça va vous surprendre. Et effectivement, déjà le fait qu'il y ait deux ouvertures, qu'il y ait une ouverture habituelle et puis l'ouverture de la soute... Avec les rangements de partout. Il y a des rangements de partout. Moi, tu sais à qui je pense, là, quand je vois ce camping-car, là. Ouais, la même chose que moi. Je pense à Brigitte et Bernard. Ah, ouais. Parce que Brigitte et Bernard, à mon avis, je me demande s'ils vont pas craquer. Parce que... Ça leur plairait, je suis sûr. Ah, ouais. Parce qu'eux, ils ont un peu une implantation un peu comme ça, mais là... Ouais, alors là, je suis sûr, ouais. Ouais. Bon, les amis, allez, on passe à autre chose. Hein. Comme d'habitude, hein. Ouais, comme d'habitude. Le pouce, le pouce, abonnez-vous. Le commentaire. Très important de vous abonner là parce que ça stagne là. Hein ? Ouais. Voilà. Moi ça me dérange. Donc abonnez et puis activez cette super cloche. Cette putain de cloche. Laissez-nous un commentaire si vous êtes toujours super avec les commentaires. Et puis. Et puis si vous voulez en savoir plus sur ce camping-car, Isaccar Loisirs. Isaccar Loisirs, vous venez, vous téléphonez et vous en saurez plus. Il n'y a aucun problème, ils seront là, Claude et Geoffrey et toute l'équipe, ils seront là pour vous renseigner. 100%. D'ailleurs, on les remercie parce que grâce à eux, on peut visiter les camping-cars et les filmer. Et ça, c'est... Donc celui-là, il est exposé dans le hall. Et puis dans le hall, regardez ce qu'il y a. Il est toujours là.
Ah ouais. Allez, la bise, les amis, on arrête là, on passe à autre chose, on va en filmer un autre. Bon, allez, c'est parti. C'est parti.